est là, en direct de Dijon. Écoutez juste. De se révéler avec cette proposition, avec Daniel Ribut, Youssef Faïtou, Magnan en défense, Pete Tambel, on est Pierre Achankara, Véro sur les côtés, Karim Yannis, Falco Blonde et Pierre Magnan en arrière. On va avoir bien sûr ce 4-4-2 avec Thomas Price dans les buts, Wing Chourle avec Pavaria Hernandez sur les côtés, Zingo Tokimic, Ligue, Nabri et bien sûr cette attaque, Shaolin, Maxime Fouché. Je suis une bonne rencontre et j'espère faire un bon match. Est-ce que l'expérience, et c'est parti pour ce match entre Dijon et Bayern, est-ce que l'expérience peut jouer sur ce match de 8ème de finale, mon cher Lomi? Mais qui prend la main directement sur le ballon avec Adrien Pic. Attention, ce ballon perdu, récupéré par Zingotor. Zingotor qui va donner sur Shaolin, qui voit Maxime Fouché, il est pas en jeu, peut-être en jeu, Maxime Fouché sur la première occasion. Le Bayern sur le premier ballon perdu, c'est incroyable, c'est la photo après sa vie, le niveau est trop haut, on n'a pas le droit d'erreur sur ce ballon perdu, peut-être la VAR, attention, peut-être la VAR parce qu'il y a peut-être un petit hors-jeu. On va voir c'est Tsingotar qui récupère ce ballon pour aller rapide, le petit crochet dessus, est-ce qu'il y a hors-jeu, c'est peut-être Elias Magnan, il semble courir sur le côté gauche, ah là là, attention, Elias Magnan déjà qui... Alors est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas? C'est limite, il semble hors-jeu, monsieur l'arbitre. Est-ce qu'il y a la VAR qui dit rien? Au moment le but semble être validé. Au moment, on joue plus de 2 minutes et on part déjà avec un handicap de 1 but à 0. On en reparlera de ce rejet. Attention, nouveau ballon perdu. Ça va très vite du côté de Bayern avec lui. Et qui va essayer de trouver l'action encore une fois qui prend l'espace. Qui va jouer le jeu avec Youssef. Merci. Il passe à court devant Youssef. Attention avec ce coup de tête. Sur la transversale. Thomas sur ce coup de tête de Shaolin. Et encore une fois, le ballon perdu. Oh, c'est le feu du côté du Bayern. Attention. Avec les gars pour tuer. On leur lance le feu et Shankara qui dégage comme il peut. Ballon bien sorti qui va donner sur Shankara. Et enfin, le NG Dijon qui met la main sur le ballon. Avec Charlie Campbell qui va donner sur Psycho. Psycho qui va remettre sur Karim. C'est pas mal là, ce que font les Dijonais avec Psycho. Psycho qui va pour remettre sur Shanky. Shanky, allez, tranquillement, qui va remettre sur Psycho. Psycho qui est par terre. Psycho, par terre. Oh, c'est juste à côté là. Dijonais, enfin, très belle action construite depuis le début. Une belle phase de jeu là par les Dijonais. Ah ouais, c'est une belle remontée de balle depuis leur gardien de but. Une belle attaque. Malheureusement, on aurait dû avoir une meilleure finition, mais il y a du mieux. Il y a des joueurs qui peuvent se connaître comme ça sans vraiment jouer ensemble à passer avec Psycho. Psycho et puis tu vas pouvoir récupérer le bon passing là avec encore une fois Psycho qui fait un super demi match. On vient maintenant, on est quelqu'un là, c'est bien maintenant, on est quelqu'un sur le bouton, c'est pas possible cette action. Oh là, l'ONG Dijon qui aurait mérité mieux encore une fois. Allez, au moins ils ont mis 10 minutes à rentrer dans leur match, les Dijonais, mais ils y sont maintenant. Ouais, ils y sont, malheureusement, il va y avoir peut-être des occasions comme ça où il faut les mettre au fond. Avec Kimmich qui va essayer de trouver peut-être la tête de Ling. C'est droit attention à Shaolin qui va essayer de frapper. Et Thomas Dané, il sécurise. Attention, on les va voir, on touche en dangereux. Il va essayer de trouver Karim qui va bien jouer, on touche de balle. C'est pour ça que Karim, il a été titularisé pour bonifier ses ballons. Même si physiquement, il est un peu court, il peut donner un bon ballon. Chacun, et la part de Thomas Price au premier poteau, Karim bien couvert. Très bonne couverture de la part de Thomas Price. Oui, c'est dommage, il y avait peut-être une option où il pouvait centrer, il y avait un appel au second poteau, mais bon, bien centré. Ouais, encore Psycho qui donne ce bon ballon, frappe en première attention, et puis Karim sur cette passe laser, ce petit extérieur, attention, avec Shankara, pied gauche, il va essayer de trouver Psycho, oh, attaque de Psycho, c'est sauvé sur la ligne, par contre, c'est pas fini, Shankara à nouveau, il va essayer de centrer au deuxième poteau, voilà, c'est peut-être un petit peu loin, on va quand même la sauver côté merde, c'est pas fini, Karim la balle pour Indien, il peut pas la jouer, et puis il va même se faire couper, petit peu. Non. Avec Tsingotar qui prend le début du match et bien sûr Karim qui va être averti, le petit carton jaune. Tsingotar encore une fois, et oui, pourquoi faire ça? Parce que là, la frustration, est-ce qu'il est une faute intelligente ou quoi? Non, c'est absolument pas du tout une faute intelligente, ils sont très loin du but. Il se fait bouger en plus, on ne lui parle pas, il faut mieux protéger son ballon. Donc forcément derrière, bon, faute de frustration comme tu dis. Il va donner sur Shankara. Shankara qui va remettre. Ah Shankara, attention, bien récupéré encore. La part de Ling qui va donner sur Zingotar qui casse une ligne pour Shaolin. Shaolin a installé sur Ballon, c'est Boucher de Gonzé. Oh l'occasion! L'occasion pour Bayern qui n'est pas loin de marquer son deuxième but. Oh, et on se fait un petit peu trop facilement percer au niveau des lignes. Oui, les pertes de balles, surtout au milieu de terrain, tu payes cher direct. C'est des ballons qu'il ne faut pas perdre.
Et heureusement derrière, parce que ça fallait être plus. Vous savez combien, c'est compliqué. Ah, c'est dommage. Ouais, par contre, allez, attention, faut bien se replier. Oh non, 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 non. Allez, on applique, encore une fois, attention, on a relevé un petit peu. N'oubliez pas, c'est l'équipe de district, les amis. Et attention, on va falloir tenir un demi-temps. On va pas voir qui va essayer de passer, mais non. Mais non, la bonne défense, là, c'est carrément, c'est bien joué. C'est Psycho qui est venu défendre. C'est Psycho, oui, l'attaquant, oui, Psycho, qui est venu défendre. Ah, il est venu, il permet le contre avec Firmino, pourquoi pas. Firmino qui va pouvoir aller tout seul. Firmino qui va faire la différence. Là, c'est Firmino qui va monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre qui siffle pas, c'est pas possible. Si, il va venir. Oh, la bonne faute, il y a carton rouge, non. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est joli, c'est joli. Ah, il y avait pas de match, il y a une occasion de match, là. Il y a une occasion de sortie de jeu. Il a fait différent, on va voir la faute. Ouais, monsieur l'arbitre, la carte rouge. Le jaune est amplement mérité. Il y a récupéré la tête, contact, coup de tête. Il a fait un petit peu sur des contacts, il fait un match énorme. Et encore une fois, Karim, cette fois, c'est bien soulagé son milieu de terrain avec Olympique. Oh, Olympique, c'est le jeu pour Birmanian. L'occasion va d'habitant. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est un petit gauche, il a trop pied malheureusement. Oh, il a développé le ballon. Quelle occasion. C'était sa spéciale, c'est sa spéciale à Pierre Magnan, celle-là. Quelle occasion, quelle superbe passe. Là, là, la limite du hors-jeu. Oh là 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 là. Là juste est... avant la mi-temps, en plus. Oh là là là, là. On va la regretter, ces occasions. On clique des champions, on a pas envie de les manquer. Il y en a vraiment deux qui étaient importantes. On va peut-être avoir des regrets. Parce que finalement, cette équipe de NG Dijon, est-ce que le match nul n'aurait pas été mérité à la mi-temps? Un changement côté Dijonais avec Shankara. C'est extrêmement tactique, on va voir ce que ça va donner. Oh, oui, bien joué. Vas-y mon Shanky, tout seul. C'est terminé. C'est pas possible. Le sauvetage miraculeux de Twig. Comment c'est possible? Il avait bien fixé le gardien Thomas Press. Allez, faut continuer. Ça part en profondeur. Il est énorme, Shankara, il est pas bon en ligne, c'est vraiment, il a senti Shankara à chaque fois, il prend le dessus sur ligne. Allez, sans le coup. Avec Germano, allez, Pierrot tout seul, vas-y mon Pierrot. Oh là là, c'est pas possible, il a pas l'avenir ce soir, Pierrot. Ils vont avoir des regrets, ça c'est sûr, ils vont avoir des regrets. C'est des actions, normalement, que tu dois pas louper, le travail, le ballon est super bien donné en plus. Il fait la différence physiquement, on sent qu'il est rapide, il prend la vitesse sur un Pierrot, c'est un des plus rapides sur cette équipe. Et puis l'entrée, attention, Karim qui est sorti, Karim à bout. Et l'entrée de Dick Briand et qui perd son après être rentré, qui perd un ballon, attention avec Kimmich. Kimmich pour Maxon, attention, qui finalement fait la différence sur le doublé de Maxime Fouché, le meilleur buteur de la district, les amis, qui est pas trop, Maxime Fouché. Et c'est que pourtant un joueur d'expérience, il vient juste de rentrer, Ludwig Briand sur son premier ballon, il perd un ballon, c'est horrible de faire une rentrée comme ça, tu rentres et t'es fautif sur le but de ton équipe, c'est psychologiquement, ça doit être très dur là pour un joueur comme ça, je sais pas si ça t'est déjà arrivé là où comment tu peux être mentalement là? Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a justement avant la mi-temps, la ligne défensive qui monte plus haut, le milieu de terrain qui change, donc forcément si tu apportes de la fraîcheur, et un autre joueur, il doit apporter ce qu'il doit apporter au milieu, et là, malheureusement, on perd deux balles directes. T'es dans le jeu et ça paye cash derrière. Il y a un match retour, les amis, il y aura un match retour. C'est qu'un match à l'île, ça sera dans 3 semaines. Ça sera pareil. Marquer au moins un but. Et il faut marquer un but. Et je vous rappelle qu'il n'y a plus la règle des buts à l'extérieur, les amis, avec Magnan. Maintenant, le centre de Magnan pour la sauvetage, attention. Ah, il passe Magnan, c'est dommage. Attention avec Charlie Combel. C'est récupéré le ballon, Charlie, ouais, mais attention avec Ludwig Briand, voilà la part de Ludwig Briand. Oh, dommage, il aurait marqué, ça aurait vite effacé sa boulette. Oui, je vous rappelle, il n'y a pas des règles de dispute avec ça, les amis, on est vraiment en mode champion d'Espagne, les amis. Et puis là, l'entrée de Psycho Blind, la sortie de Psycho Blind à la place des deux fouchés qui va rentrer. Il va falloir, et puis en plus, on voit le Bayern qui peut dérouler, qui peut marquer à tout moment avec Singotor, qui prend un super match. Nabri qui va donner sur Chavlin, Chavlin qui se prend disponible, qui va prendre le meilleur, non, la bonne défense, là, bien joué, la part de Regazzi. Avec Pierre Magnan qui vient défendre avec Adrien Pic qui va donner sur Olivier Briand. Allez, c'est bien joué ça. Allez, il faut la donner, il va essayer de chercher Guigui. Ah, attention, il va se battre, il va se battre. Allez, on se bat quand même avec les forces. On voit qu'on a une force quand même du côté de Dijon. Avec Magnan, le superbe ouverture magnifique. C'est terminé. C'est pas fini, 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 c'est
tirer le but, j'espère, à 2-1. Enfin, c'était mérité, de l'action, belle passe en cloche. Le défenseur ne peut pas intervenir, on a tout ça les bonnes. Et là, il suffit de garder. Et là, incroyable cette passe. Et je suis ici contre le pont, contre la façon de Benzema. Et à l'extérieur, le buteur. Super. Il est fait. Et il vient crucifier. Et pourquoi pas relancer ce match? Parce que à 2-1, c'est pas pareil. Et tiens, allez, on va aller chercher 2-2. Il va falloir être costaud maintenant, c'est dans la tête. Il va falloir être juste et pas faire d'erreur. Ah, quel buteur! Quel buté! Il va falloir se poser des questions sur le match retour sur l'animation offensive côté de Dijon. Avec Guillaume Couché, voilà, par contre, vous avez vu qu'il y a. Allez, Guigui qui est arrivé à récupérer le ballon qui va donner sur Chancard. Bien joué. Bien joué, Chancard, ouais. Attention. Pas s'enfermer. Voilà, très bien joué. Voilà, avec Adrien Pic. Bien joué. Ça, c'est bien joué. Mais non, alors, oui. Toi, il voit tout. Il voit tout à l'avance, ce joueur. Allez, il faut bien se reprendre. Allez, le coup. Première, allez, 6%. Yes, c'est peut-être la dernière. Il en suffira d'une. Il en suffira d'une. Avec Adrien Pic. Avec Guigui Briand. Allez, là-bas. Bien joué. Voilà, enfin. Avec Charlie Combel qui va essayer de trouver Guigui. Avec Guigui, peut-être là-bas. Avec Pierrot. Voilà, ça, c'est bien joué. Pierrot, allez, là-bas. Attention, oh, c'était ça. Mais ça a été suivi, malheureusement. On y met du cœur, on y met des cœurs avec Adrien Pic, avec Zetatine. Allez, 3 minutes les amis, 3 minutes avec Jérôme Permanent qui va essayer de trouver Guigui. Non, oui, il est incroyable ce twing, c'est impossible, il écarte la défense et la récupère Spikey. Un muscle monstrueux les amis. Pas fini, Pierre Magnan. On est encore en danger du côté du Bayern avec Guillaume Fouché avec pourquoi pas Ludivian, vas-y pour le pic. Oh, c'est pas possible, ça sera donné. On aura tout donné. Et le Bayern qui va s'imposer ici à Gaston Girard. 2-1, le niveau de la Ligue des Champions était quand même un petit peu trop au-dessus pour cette équipe de Dijon qui va avoir des regrets, mon cher Laouni, malgré tout.